pays d'Haïti dans cadre mission internationale pour aider établir sécurité dans pays a et mettre fin dans règne gang armé. Haïti toujours gouvernement premier ministre Gary Conille réalisé une retraite 2 jours dans l'idée pour harmoniser action gouvernementale. États-Unis élection jour J moins 3 donc jeudi 27 juin 2024 là. Premier débat entre président démocrate Joe Biden et ancien président républicain Donald Trump. Et puis actualité à concernant la région Moyen-Orient, autorité américaine et européenne ont lancé un pinga contre extension guerre Israël dans Gaza pour ne pas arriver dans le Liban contre militants Hezbollah. Et c'est point ça yo avec l'autre encore nous pral développer pour dans yon ti moment go nouvelle là c'est plusieurs centaines policiers pays Kenya qui paré pour arriver demain mardi 25 juin dans pays et d'Haïti dans toujours dans cadre mission internationale pour aider mettre et sécurité dans pays a et mettre fin tout dans ray gang armé qui continue à semer la terre dans zone capitale et plusieurs autres côtés dans pays a. Et gentil Augustin Junior dit nous et déploiement ça a fait dans moment que te gen gros manifestation anti gouvernementale donc contre président William Ruto dans Kenya. Gentil Augustin Junior. Force police Kenya pral prend avion pour al Haïti 25 juin 2024 là. Malgré défi qui posé devant dans tribunal Kenya, mission a parti. D'après sa yon sous gouvernement ak la police di agence France Presse. Kenya offri pou voye à peu près 1000 policiers en Haïti pour stabiliser pays a ensemble ak policiers qui sorti dans plusieurs autres pays. Cependant, déploiement te fait face ak défi légal dans pays Afrique l'Est là. Président William Ruto a pillé mission en GFM et il a déclaré moi ça que déploiement pral fait dans quelques semaines comme ça. Un responsable ministère intérieur Kenya a déclaré départ fixé pour mardi semaine ça. Il a parlé avec AFP sous condition pour yo pas citer nol. Responsable a dit préparation en fait pour équipe la prend direction Haïti mardi. Nous déjà gain deux équipes préparation qui quitte Kenya. Youn kite semaine passée et puis l'autre là kite samedi. Pendant force policier Kenya prêt pour Algérie crise gang Haïti ya, plusieurs manifestations jeunes t'ai éclaté à travers pays Kenya sous un projet loi sous budget qui visait ramasser yon lot de 2.7 milliards dollars à travers taxes additionnelles. Manifestation Kenya te suivre président William Ruto dans yon l'école côté li t'a participé dans consécration yon évêque. Dans la ville Nia Ouhou, malgré la présence de manifestation, Ruto te fait éloge jeune. I am very proud of our young people. Moi très fier des jeunes nous yo. Yo fait un pas en avant. Yo sans tribu. Yo fait un pas en avant. Mais pacifique. Et moi vle di yo que nous pral engager yo. Nous pral parler ensemble pour nous kabati yon pi gro nation. Manifestants yo te envahi la kou l'église la. Média local yo rapporté que quelques leaders nan parti Kenya Kwanza qui sous pouvoir te essayé quitter terrain. Manifestants yo te bloqué quelques nan machine yo. Yon nan manifestant yo te dit: "Mwen kwè nan bon Dieu nou an. Mwen di Ruto ça. Mwen di policier yo ça." Tire sous nous sous terrain l'église là. Équipe sécurité Ruto a te prend li, lè yo réalisé foule moun yo te là pour faire face carré ak président. Manifestant yo di que projet loi finance la menace tout fait économie et augmenter prix la vie pour Kenyan qui déjà gen difficulté. Malgré protestation qui gaillé tout partout, 19 nan 47 juin 2024 là et puis voter sous amendement yo proposé yo. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Donc ta konn kapab wè situation était très compliquée dans pays Kenya pour président William Ruto et fon di tout que pou ko gagne yon note officielle qui fait connait que eh ben troupe sa yo y a descend dans pays d'Haïti mais on sous que qui proche gouvernement ministère intérieur eh ben fait AFP connait que eh ben gagne yon troupe cap descend demain dans pays d'Haïti cap sorti pays Kenya. L'autre point dans actualité a nous toujours concernant pays d'Haïti principal leader qui dans opposition pouvoir en place en parlant de Jean-Tel Joseph et eh ben li ba yon ultimatum jusqu'à deuxième semaine mois de juillet 2024 là
pour autorité ou voyez signe qui clair ba population haïtienne nan et sous pour montrer que yo vle résoudre problème insécurité qui c'est première priorité selon accord 3 avril 2024 là. Yon reportage Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Selon accord 3 avril 2024 que parti ou bien regroupement politique qui gen représentant nan conseil présidentiel transition ancien, priorité des priorités gouvernement garigonien, c'est travail pour résoudre problème insécurité et pour permettre tout citoyen capable de vaquer librement à l'activité. Yon a principal leader opposition haïtienne, Jean-Tel Joseph, qui est président coalition politique Réveil National pour souveraineté d'Haïti, dit pas quoi dans ça puisque pas gain aucun signal clair qui voyait sur question ça. Lui prend exemple. Là où dit ou président caché, ou pas qu'elle n'a pas l'air, c'est dans un bilan soit absurde. Son blindé qui pour cache, qui pour venir chercher en cachette. Là dit ou ministre, ou pas gon koto kale. Je dis pas quoi employé coup de compte yo capable de travail. Pas quoi ça. Pas quoi employé coup de compte capable de travail. Pas quoi employé ILCC capable de travail. Nous sortons well, toute prison crasée, pas vrai? Moi-même, je me dis, c'est improvisation totale, à fait là. Yon premier contingent police kenyan capable d'arriver en Haïti dans le cadre mission multinationale soutien à sécurité en Haïti, MMMS, pour venir aider PNH bataille contre gang armé. Mais Jean-Tel Joseph, ancien responsable BESAP, dit, li pa kwè ses solutions en ça. Li rappelé que c'est pas étranger qui vient rétablir sécurité et la paix dans le pays d'Haïti. Sous base ça, Jean-Tel Joseph annoncé à partir deuxième semaine mois juillet 2024, il a lancé une mobilisation générale à travers pays. Officiellement, Réveil a relancé mobilisation. A relancé mobilisation pour exiger pour la sécurité dans le pays. N'a recampé mobilisation pour exiger départ sept nègres ça yo qui choisi mettre des côté constitution paysan pour servir avec petit papier carré comme ba yo et n'a campé pour que nous imposer volonté populaire là et nous dit deuxième lundi du mois de juillet comme nous sont demandé qui ça réveille l'a fait mobilisation la nationale. Pendant ce temps, Premier ministre Garry Conille, qui est président Conseil supérieur police nationale, déjà réactivé structure ça et il a déjà opéré changement stratégique dans tête institution policière dans cadre GFO contre insécurité. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Et puis l'autre point qui domine actualité dans le pays d'Haïti, c'est Premier ministre Garry Conille avec gouvernement qui réalisait une retraite de jour dans l'idée pour harmoniser action gouvernementale. Nous allons rejoindre Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Premier ministre Garry Conille clôturé samedi 22 juin retraite gouvernementale qui visait harmoniser action l'État. Chef gouvernement exprimé satisfaction dans ce qui concernait déroulement événement ça. Déjà l'an dernier conseil des ministres il y a besoin ouais feuille de route là, il y a besoin qu'à statuer sur lui, il y a besoin by feedback sur lui, ce qui est normal et ministère yo même à ministre besoin yo même à partir de feuille de route yo pour commencer à définir plan opérationnel. Donc avec ça, je crois qu'on a suffisamment aujourd'hui, je ne sais pas si pour pouvoir avancer rapidement dans ce travail, j'aurais vraiment aimé qu'au prochain conseil mercredi qu'on puisse déjà avoir une ébauche de ce que nous allons pouvoir faire ensemble. Donc vraiment je vous en félicite. Retraite gouvernement est pour objectif réfléchir à identifier mécanisme harmonisation action gouvernement. Après assisio, ministre censé mieux maîtriser rôle ministère respectif dans coordination action gouvernementale. Locataire primatia insisté pour chaque ministère consulter bureau premier ministre pour décision importante. Les décisions ont été prises en conseil des ministres, ils ont été prises dans le contexte collectif. Donc, avant nous avancer sur des dossiers, sur des grands changements qui sont capables de faire des décisions que tu prends en conseil, il est excessivement important que nous consulter. Ça prend 2-3 minutes pour mettre nous que nous excessivement, nous répondons très très vite à ça. Toujours prendre le temps de revenir vers le bureau du premier ministre, dire nous, mais ça ne va pas faire, particulièrement les décisions sérieuses qui ont des implications nationales.
pour éviter chasse aux sorcières dans l'institution publique. Docteur Gaïkoni exhorté ministre pour tourner vers primature pour prendre un ensemble de décisions concernant le mouvement personnel. Chef gouvernement a profité pour annoncer création d'une task force avec institution de contrôle. Que tout ce qui concerne le mouvement de staff renvoyé ou nommé, nous avons que son décision nous prend collectivement. Nous déjà créons une task force pour la mise en commun des chantiers des institutions de contrôle afin d'aboutir à une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Dans le cadre d'initiative ça, le gouvernement proposé pour élaborer une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Enfin, Dr Gaïkoni rappelé nécessité pour suspendre dans mi-temps entité gouvernementale salarié les collectes fonds non fiscalisés. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Merci Yves Manuel, vous faites le bon choix, vous captez VOA Creole et puis n'a pas mettre depuis Washington DC et n'a présenté première édition rendez-vous info pour ce maintenant pas déplacé actualité internationale là dans un petit moment. La Voix de l'Amérique, nous prenons entrer dans l'actualité internationale. D'abord, nous allons parler de l'élection ici aux États-Unis. C'est pratiquement jour J moins 3 par rapport à jeudi 27 juin Cap Vinla. Côté Pralguin, premier débat entre président démocrate qui est actuellement au pouvoir, Joe Biden, et en face li pral gagner et ancien président républicain Donald Trump. Pendant ce temps, deux politiciens yo même yo continuer à mener campagne et yo n'a voyé toya sous l'autre. Nous allons rejoindre Jean-Robert Philippe depuis Maryland. Nous devons attendre jeudi à même pour connaître si oui ou non président Biden capable d'utiliser condamnation pour attaquer Trump pendant le débat. Vice-président campagne pour élection Biden Harris là Miss Landrieu té bay opinion ni dans programme chaîne télévision américain NBC Meet the Press. It's not just to call Donald Trump a convicted felon, it goes to his behavior and it goes to his character. Remember, he's actually filed bankruptcy. C'est pas seulement relé Donald Trump qui est criminel condamné. Comportement ni tout mettez avec tempérament. Songez, monsieur déjà crié faillite 6 fois. Ça veut dire c'est pas seulement un mauvais homme d'affaires. Li affecté tout le monde qui te dépend de lui pour vivre. Donald Trump a rejeté accusation sa yo pendant li prend engagement pour li aller en appel contre verdict tribunal là qui joint li coupable dans jugement qui se fait contre li à New York. Pendant que président Biden a préparé pour débat présidentiel là, Donald Trump choisi pour mener campagne pendant week-end dans Washington avec dans Philadelphie. Il n'a pas caché contentement pour participer dans débat. Il demande des supporters, leur opinion sur la façon de comporter face à Joe Biden pendant débat. Should I be tough and nasty and just say you're the worst president in history or should I be nice? Est-ce que moi je dois sévère et puis méchant avec lui ou tout simplement dis-lui ou c'est président qui pis mal États-Unis j'en prenais dans l'histoire ou bien est-ce que moi je dois gentil et calme avec lui 50-50 on lui dit avec lui. Candidat président du Parti républicain a utilisé le meeting de mars samedi pour rappeler aux électeurs leur position concernant immigrants sans document légal. Un jour après moi occupé fauteuil Maison Blanche là, eh bien, n'a commencé pigo opération déportation immigrants illégaux pays à jamais fait dans l'histoire. Nous pas bien choix. Ça pas bien longtemps, président Joe Biden a publié deux décrets présidentiels, un qui limitait quantité immigrants qui viennent demander asile sur frontière sud pays à, et puis l'autre là, légal statut immigrant qui marié à un américain sans y pas déplacé et qui vivent dans pays à illégalement depuis 10 ans. Bénéficier ça y a possibilité pour y avoir un citoyen américain. Pendant vice-président pour campagne réélection Biden Harris là, Mitch Landrieu a participé dans l'émission Meet the Press dans la chaîne télévision NBC. Eh bien, il dit que l'Iran Donald Trump avec parti républicain responsable pour situation actuelle là. The border is in trouble and it has been for the past 20 or 30 years in this country. Et il constate depuis entre 20 à 30 ans. Depuis 1er juin installation président Joe Biden dans la Maison Blanche en 2021, eh bien, il était voyé un projet de réforme sur l'immigration par Congrès. Il n'a pas fait rien avec projet loi ça. En plus de l'immigration, il y a une autre question importante Biden a trompé pour répondre pendant le premier débat chaîne télévision CNN a organisé jeudi 27 juin Cap Vinila. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Maryland.
Donc son gros date dans cadre campagne présidentielle là, donc 27 juin Capvin là, et ben pral gagner et ben premier débat entre président Joe Biden avec ancien président républicain Donald Trump. Et nous pral parler de actualité dans région Moyen-Orient, autorité américaine et européenne yo même yo exprimé qu'est-ce pour pas gagner yon deuxième Gaza en parlant de Liban, en parlant de Hezbollah. Et gagner tout discussion qu'a fait sous question de un plan de cesser le feu ou bien un plan pour mettre fin dans la guerre. Nous allons rejoindre Sandra Lemaire depuis Maryland. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu déclarait lundi que Israël prend engagement vis-à-vis cesser le feu lui proposé pour Gaza à qui on tente pour libérer otages. Chef Lamea, bon côté pas les dit, il a presque fin demander force Hamas qui n'en ville Rafah dans sud Gaza. Lydie nous prend engagement vis-à-vis plan israélien que président Biden bien accueilli. Position nous pas changé. Deuxièmement, c'est pas contredit premier, hein. Là, nous dit que nous pas mettez fin dans la guerre, tout autant nous pas éliminer Hamas et puis tout autant citoyens dans le sud, Aknoyo capable retourner la caillou, sain et sauf. L'armée israélienne publie une déclaration sous constat et fait sous situation en Rafah. C'est chef d'état-major l'armée qui publie. C'est dans Rafah que force israélienne a goumé avec bataillon Hamas qui toujours a fonctionné. Netanyahou voyait jeter avertissement en commission israélienne t'est fait puis bonheur dans journée lundi pour dire la mener enquête sous mauvais comportement gouvernement en ce qui concernait achat sous-marin avec bateau missile que l'y acheté dans main Allemagne. Commission envoyée dit Netanyahou que selon preuves les ramassées jusqu'à présent, l'État capable de déterminer que monsieur était profité positionné comme premier ministre en année 2009 à 2016 pour faire achat sans les pas respecter processus pour faire ça. Netanyahou répond pour dire que sous-marin était essentiel pour garantir sécurité pays li contre Iran. C'est gouvernement qui était venu en vent Netanyahou qui t'a établi commission ça en 2022. Et il dit qu'il va publier tout le conseil document qui pas secret qui fait partie preuve de joindre sous contrat pour acheter équipement militaire qui vaut plusieurs centaines de millions de dollars. Pendant ce temps, ministre de Défense israélien Yoav Gallant arrivé à Washington lundi. Il était visité le département d'État, côté il pral discuter sous prochaine phase de la guerre Gaza avec hostilité qui a augmenté sous frontière Liban. Gagne un petit groupe manifestant qui était campé pancarte qui dit libérer Palestine qui était campé bon côté building là, le lit arrivé à Garanti au Paris pour n'importe qui action qui nécessaire dans Gaza, Liban, avec n'importe qui l'autre côté encore. Il dit qu'il va rencontrer tout cas américain, Lloyd Austin, et puis tout secrétaire d'État Anthony Blinken. Sandra Lumière, VOA Creole, Washington. Donc, selon un pile spécialiste, question Moyen-Orient qui entre dans le cadre politique et extérieur les États-Unis, il prend dans mi-temps des débats dans la campagne électorale qui a déroulé qu'on y a, notamment question aide pour Ukraine, aide pour Israël, et puis bon, après, il y a l'autre question, quant à coup, immigration, tant coup, et avotement. Donc chaque parti a essayé voyer tout ya yon sous l'autre deux principales parties pays ya. Et je dis encore nous pral refaire vivre et ben qui sa parti républicain et côté le sorti qui réalité qui est les mêmes orientations politiques li on a rejoindre ça avec Fred Kaimit. Merci Fred et Kaimit et en pile activité communauté moun qui gain qui même sexe ou bien qui changer sexio et ben était grand pile actif mais en pile activité pour marquer moi ça y aurait les mois juin qui c'est moi fierté nous était grand pile activité tout qui déroulé dans New York côté nous parler rejoindre et collaborateur nous Valérie Saint-Louis. C'est dimanche 23 juin 2024 que parti politique relé engagé pour développement aidé lancé officiellement dans ville Cap-Haïtien mouvement femme aidé parade fierté Massimadi Los Angeles là attiré des dizaines avec des milliers de monde dans la rio dans quartier Hollywood dans Los Angeles Californie
Parade année ça, c'était première pour Mireille Kamaridza qui était grandi dans pays Burundi et qui était vignoma divinaise, elle était immigrée ici aux États-Unis à l'âge de 17 ans. Growing up in Burundi, it was not a possibility to become a gay woman. Lors grandi dans pays Burundi, pas gain possibilité pour vinn mas ici au soir ma divinaise, li pas acceptable dans société a, li pas même acceptable dans une conversation en particulier. Ça c'est pas un bagage ou ka discuter avec parents. C'est un pays très religieux, à croyance très strict. Yo croient dans yo garçon pour yo femme et puis tout faut que yo marié. Ça fait partie dans fondation société a dans pays Burundi. Kamaridza te vinn participer dans parade là avec madame ni Sveblama Aboni Mana qui dit même tout élevé dans pays Burundi par un moment de nationalité russe qui te rejeté homosexualité, li pas d'accord pour te ma divine. Growing up I knew that she thought being gay was a mental disease. Les moi t'a grandi moi t'ai connait que t'ai pensé que ma sissi c'est une maladie mentale parce que moi songé l'aime que un adolescent nous t'a regardé une émission à télévision qui t'ai gagné un caractère ma sissi la donne et puis il t'a dit bien fort que ça c'est une maladie mentale, c'est une maladie, yo besoin aide. Maman Aboni Mana suspend parler de homosexualité, il suspend parler de Massima Dio comme une équipe monde qui malade, mais il pas jamais accepté pour tout mon vrai. Il était mort année passée dans pays la Russie. Il était malade pendant une année à peu près. Et pendant tout temps ça, nous te vle wè yon lot. Et moi te vle wè li avant. Et même là, il était venu mourir, moi toujours pas capable à wè li à cause ça qui a passé dans le pays la Russie. Pas seulement à cause de la guerre, mais surtout parce que moi c'est ma divinèse. Qui donc, il pas facile comme ça pour lui pour retourner la Kali dans le pays Burundi. Côté que gen pénalité qui due en pile pour toute ma simadi. Kamaridza te dit qu'il est obligé de voyager discrètement. When I go home, I'm scared to be caught. Le moi voyager comme ça à la caille, moi peur pour pas qu'embe et moi essentiellement caché. Moi fait visiter en 2022 là et puis moi pas dit personne que moi était là excepté par un moi. Moi pas de vouloir l'autre famille loin mieux te connaît, les amis mieux. Juste parce que moi t'ai gagné la PRS que t'ai cal rapporter moi par autorité et puis moi pas t'a bien droit quitter pays là. Kamaridza ak madame li Aboni Mana a planifié pour élever un petit monde ensemble. Et puis, on dit que yo très reconnaissant pour une communauté locale LGBTQ+, qui accepte yo comme famille. Moi, juin, c'est moi fierté Massimadi. Et dans la communauté haïtienne tout, il y a un pile Massimadi, Massissi avec ma divinèse qui célébrait et qui a l'en parade ça yon tout. Malgré que, en général, société pas noire, pas fin trop tolérer communauté LGBTQ haïtienne. Mais nous constatons que sous les réseaux sociaux, il y a un pile massissi avec ma divinèse haïtien qui arrivait fait que yo accepté yo. Yo très présent sous les réseaux sociaux et certains yo exprimé yo librement sans retenue. Pour VOA News, Genia Dulo depuis Los Angeles, Californie. Traduction et adaptation Valerio Saint-Louis. Pour VOA Creole, New York. Parti politique engagé pour développement aidé lancé hier dimanche 23 juin 2024 la mouvement Femmes aidées dans ville Cap-Haïtien. Détail à correspondant nous Gérard Maxino. C'est dimanche 23 juin 2024 que parti politique relé engagé pour développement aidé lancé officiellement dans ville Cap-Haïtien mouvement Femmes aidées. Coordonnatrice nationale mouvement ça Ofnid Aurélis Renfort expliquer revendication yo. C'est exiger mesdames yo impliquer bien fond dans politique pays a ça qui permet yo arriver élu dans élection cap gain pour fait dans pays d'Haïti. Principale revendication mouvement femme aidée c'est pour mesdames yo impliquer yo dans la vie politique pays yo parce que nous mêmes femmes nous plus dans société a. Mais dans ça qui gain rapport à politique yo toujours minimiser nous, toujours bon blocage. Femme yo ou joine des fois c'est quelques femmes ou joine dans Sénat, quelques femmes que ou joine dans collectivité yo, mais mesdames yo yo toujours peur parce que femme qui passe dans politique dans pays là passe au pas trop bon passe au douteuse c'est ça on toujours dit. Mais nous même dans mouvement femme aidé nous voulons dire mesdames yo c'est pas parce que un monde te passe son côté lui font erreur ou même ou venir on fait même bagarre là n'a demandé mesdames yo pour yo impliquer yo parce que nous même femme là nous dans un bagarre est différent. Coordonnatrice mouvement femme aidé dans notre pays hein Wistin Saint-Fleur déclaré mam yo doit connaître yo gen même valeur à tout monde dans société haïtienne là. Femme aussi posé suspend fait travail domestique dans caill seulement. Selon lui, c'est la pérèse pour participer dans politique active payant qui la cause. Yo pas jamais rivé élu dans élection yo. Jodi à nous même mouvement femme aidé nord nous dit au conseil pas là seulement pour faire travail dans caill, yo là pour impliquer dans vie sociale et politique pays yo parce que nous ces femmes, nous plus fort, nous plus jam, nous capable plus. Mouvement femme aidé exiger mesdames yo pour intégrer yo dans vie sociale et politique pays d'Haïti. Gérard Maxino, Cap-Haïtien pour la Voix de l'Amérique.
Nous pratiquement arrivé dans fin programme là, nous connaît haïtien remen boule, gen bon boule k'ap déroulé là, konya là, nan moment n'a parlé là, gen Coupe d'Europe des Nations et plein pays Allemagne avec surprise. Pas de trop gros surprise donc que ça, mais bon, nous connaît que gen des pays qui déjà qualifié. Mais gen tout Copa América. Gen moun ki gen brésilien qui dit bon c'est jodi a que Copa América a commencé, mais c'est pas vrai. Et depuis le 20 Copa América a commencé. Mais pour qui ça dit jodi a commencé, c'est parce que jodi a c'est Brésil qui a joué. Brésil a joué contre Costa Rica. Costa Rica qui c'est un pays qui dans zone CONCACAF là, donc avec dans même zone avec Haïti. Et gen nouvelle qui fait nous connaît que eh ben gen Neymar lui-même qui t'est blessé, nous connaît que qui pas en mesure pour le jouer, mais monsieur t'est fait un bel geste côté que monsieur t'a visité équipe brésilienne côté on en concentration, il t'a visité et puis pour le bail pour te solidarité avec monsieur pour souhaiter bonne chance pour Asoya. Yo pas jouer devant et Costa Rica, donc et gen moun ki t'a dit bon et pronostic en faveur Brésil pour non que le gagne, et mais nous connaît que ballon pas joué dans bouche, c'est dans souterrain joué, donc gros rendez-vous c'est Asoya Brésil Costa Rica. Mes amis, c'est là nous mettez fin dans programme, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous servir. Nous remercier Nelson zami pa nous bon bagay, et puis Chang Wang zami pa nous encore, sans oublier Jean-Marc Hervé Abila et puis gentil Augustin Junior nek pa nous. Et puis nous remercions tous les amis qui t'ont voué tous les vœux et de joyeux anniversaire pour nous. Ça fait nous plaisir et ça fait nous chaud au cœur. Non seulement équipe VOA, mais nous remercions tous les amis et VOA qui t'ont dit nous bonne fête. Moi, c'est Jacques Belizer. À demain. C'est toujours plaisir que moi-même, Blaise Peterson, mais Peterson Blaise, pour que nous venions parler problème pays. Pour nous analyser et garder ça comme information. Non, moment n'a parlé là. Toute disposition déjà prend pour que premier troupe officier kenyan yo débarque en Haïti. Tendez bien samedi. Moment que n'a parlé là. OK. Toute disposition déjà prend. OK. Pour que officier kenyan yo débarquer dans le pays. Journée qui c'est lundi 24 juin 2024 là. N'apprendre que président pays Kenya William Ruto monsieur déjà prié. Monsieur a visité campus côté que mais camp militaire, c'est dit comme ça. Côté officier kenyan yo yé et ça pral vinn nan pays. Y organisé une cérémonie religieuse. Yo béni drapeau pays Kenya. Et yo bay chaque officier yo. Alors 400 officiers qui ont venu. Yo ba chaque officier yo après fin béni drapeau. Yo ba chaque officier yo yon drapeau. Et président William Ruto mandé avec officier kenyan qui a venu là yo 400 ça toujours. Et reste qui pral rejoint yo. Li mande yo. Il dit yo. Yo dwe retourner vivant après que mission, après que mandat mission ta bout. Attendez. Li dit yo. Yo dwe retourner vivant
OK. Pour que yo retourne venir rejoindre famille yo dans pays yo qui c'est Kenya. Mais kounya la on comprend. Tourner venir rejoindre famille yo vivant, c'est ta bien. Et pas briller. Yo pral non pays dans moment qui insécurité a fait la rage qui c'est Haïti pays nous. Pays nous. Litris en même temps obligé d'il pendant plus que 30 ans mais pendant 30 l'année nous prend 10 missions étrangères et pour même situation d'insécurité. C'est une honte que ça y est. C'est une honte que ça y est. Pendant plus que 30 ans. Nous prenons 10 missions étrangères. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que pas jamais gain volonté vraiment pour yo éliminer, éradiquer, fini avec question insécurité. Pas j'aime que volonté ça. On va voir. OK. Pas j'aime gagner volonté ça. Parce que pendant un pile nan nous applaudir river officier Kenya dans pays. Lycée on souffle tout. Lycée un calotte marasa oui pour peuple haïtien qui jeudi hein pour assister comment que c'est étranger qui pour aider Haïti dans question insécurité mais qui est-ce qui crée insécurité nous connaît déjà et moi même ici là avec désir venesse nous souvent cité et dit mais qui est mais qui groupe mais qui secteur qui derrière insécurité Haïti a connait là mais qui secteur mais qui groupe mais qui est-ce qui créé insécurité ça dans pays. Moi souvent dit les impérialistes. La communauté occidentale. OK? Les impérialistes, la communauté occidentale. Secteur privé à faire haïtien. Ça nous les boutiquiers yo. Un petit groupe nan mitan yo, yo même ensemble, yo kote ki biye nan ban sangela comme insécurité. Classe politique haïtienne non. De groupes organisés dans la société. Yo tout kote ki biye nan mete sangela comme insécurité. Et moi toujours dis, insécurité, lise yo insécurité planifiée. Li planifié par ensemble de entités qui me sont citées là yo. Oui. Li c'est ou insécurité planifiée par ensemble entités qui me sont citées là yo. Parce que c'est pas un bon matin levé. N'a vivre ça que là comme insécurité. C'est pas un bon matin que nous levons. Nous vivons ça là comme insécurité. Et si c'est pas un bon matin que nous levons,
n'a vive sa guerre là comme insécurité qui donc c'est insécurité qui planifié par un ensemble de groupes ou ensemble de secteurs ou ensemble de acteurs qui ba nous sanye là dans intérêt yo. Bien que jodi ça n'a vive là, ça n'a connu là. Il prend bon matin à vivre. Ça n'a vive là. Li pa ka lever un bon matin pour le résoudre tout. Li pa capable. Nous pas capable lever un bon matin pour le résoudre. Non. Nous pas lever un bon matin. Vous comprenez? Ouais. Pour un bon matin, nous pensons que l'insécurité hein, l'a venu résoudre. Non. Ok? On va dire. Hein? Qui donc je dis, hein? Si nous pensons. Si nous couait n'en résout ça qui est là comme problème nan. N'en résout ça qui est là comme situation insécurité hein li mande yon machine qui pou mette en marche. Li mande yon machine ki pou mete en branle si vraiment nou vle ke insécurité a rezoud. Si vraiment nou vle ke insécurité a rezoud, li mande pou ke nou mete machine en branle. Li mande pou nou mete toute entité qui est important, qui capable porter solution, qui capable bay résultat dans question insécurité hein, et pas seulement insécurité physique mais toute forme insécurité que peuple haïtien connaît là a enduré là. Toute forme insécurité. OK? Toute forme insécurité. Peuple ici a enduré là. Et je dis, n'a dit le clair. Avec chaque ami. N'a dit le clair. Avec chaque monde. Qui comprend. Et qui dit tête yo. Mais qui gens? Mais qui moyen? Mais qui façon? Yo pral aborder. Yo pral poter kote ki biso pa yo. Yo pral jouer partition pa yo. OK? Yo pral poter contribution pa yo. Yo pral jouer partition pa yo. Nan rezoud nan goumé pou ke définitivement la paix kapab tabli an nan peyi. Oui? Et je dis an abdi doué ge volonté. OK? Doué qui est volonté. Pour qui gens, qui moyen, pour y arriver, résoudre ça. Président pays Kenya Williams Ruto,
monsieur remet drapeau pays Kenya avec 400 premiers officiers kenyans qui nan out pour yo rentrer Haïti dans cadre déploiement force multinationale. Et premier contingent, ça, l'abkela donne officier d'élite, unité de déploiement rapide, police kenyane. Et qui se suivent, information, alors, qui se suivent formation, entraînement raide, entraînement serré, entraînement dit, et yo di yo prêt pour mission ça. Selon ça, yon ou responsable AFP fait konnen. Inspecteur général adjoint Nord Gabo, chef opération Samuel Chebet, et inspecteur général adjoint principal Geoffrey Otunga, c'est eux même qui pral diriger troupe kenyane ça. Qui va débarquer sous sol dessaligné. Sous sol papa national. C'est triste pour nous dire bagay comme ça. OK? C'est triste pour que je dis n'a parlé de Kenya, n'a parlé de force étrangère qui a débarqué dans le pays. C'est vrai. Grand pile patriote. Grand pile nationaliste. Je dis. Hein. OK. Grand pile patriote. OK. OK. Grand pile patriote. OK. Mm-hmm. Selon confrère nous Elias Josieu. Monsieur dit d'après ça quelqu'un comme information. D'après un journal dans pays Kenya. Attendez bien. L'ouvrisoy nous pour nous tenter bien. D'après un journal dans le pays Kenya, soldats ou officiers qui font partie de force multinationale, ça. Spécialement, officiers kenyans, yo sadique en pile. Et yo pas vini pour arrêter bandi. Parce que c'est pas mission ça ou gagné. C'est touye, y a vin touye bandi. Eh bien, selon Elias Josieu et selon yon journal dans le pays Kenya, yon clairement dit que officier Kenya kap vini la yo, yon pap vin la pou arrete bandi. Yon pa ge sa nan mission yo. Mission yo, c'est touye bandi. D'ailleurs, en clair tout, pas de prison pour arrêter bandi. Yeah. Pas de prison pour arrêter bandi. Nèg yo krasé pénitencier national. Nèg yo krasé prison civile Croix des Bouquets. Qui c'est deux plus gros prison pays à konnen, pour monsieur yo, gagné. Et prison mesdames yo qui nan titanyen cabaret. Nèg ou kaze, yon pa kaze physiquement avec comme si kaze bout mi. Mais si yon kontrole, il se passe ça. OK? Officier kenyan yo, soldat kenyan yo. Garanti. Yon ba garanti. Avec président pays Kenya, yon rive voye tout bandi yo nan pays sans chapeau. Et ça rappelle
question pays sans chapeau hein? Li rappelem eh bien li rappelem ambassadeur pays États-Unis en Haïti monsieur Dennis Hankins li rappelem que monsieur t'a parlé sur antenne radio télé métropole monsieur t'a dit eh bien monsieur t'a dit ben di yo ke deux choix soit que déposer zam ou dit monsieur y aller dans pays sans chapeau ambassadeur Dennis Hankins t'a dit alors sur métropole ben di yo ke deux choix soit que yo aller dans pays sans chapeau ou dit monsieur yo déposer les armes et n'a songe que président conseil transition Edgar Leblanc fils monsieur t'a dit sous ces gangs caché pas caché la police a traqué quand même. Est-ce que nous avons dit parole ça? Monsieur t'a dit si vous êtes gang pour me répéter Edgar Leblanc fils dans le moment que vous avez fait graduation 454 jeunes femmes et jeunes garçons qui pral intégrer unité spécialisée yo. Yo te di. Eh bien. Yo te di. Claire. Monsieur te di. Caché pas caché. Caché pas caché. Débousse gang. La police, l'armée a matraqué yo. Et DG actuel la police non? Ramon Ormil, monsieur était clairement pour le dire. Yo pas pralé là. Yo pas pressé. Yo pralé gens pour aller. OK? Et il était clairement dit. Yo pral y a neutralisé, y a démantelé bandi yo. Y a neutralisé et y a démantelé bandi yo. Pour répéter Ramon Ormil, actuel DG la police là. Y a neutralisé, y a démantelé bandi armé yo. Y a neutralisé, y a démantelé bandi armé yo. Elle te remercie. Il te remercie. OK. Il te remercie. Président conseil hein? Ramon Ormil. Il te remercie. PM Koni, il te remercie moun sa yo. Parce que, yo place confiance yo nan li. Okay. Yo place confiance yo nan li. Et yo promet li, pou yo bael, appui psychologique, appui matériel, et appui financier. Pour capable répondre avec travail qu'il va le faire. Est-ce que je dis que DG Ramon Ormil, chaîne commande de la police là, CSPN là, conseiller présidentiel yo, ou état-major l'armée là, est-ce que tout ensemble pral camper dans dos Ramon Ormil, pral camper sous côté Ramon Ormil, nan bal matériel, nan bal moyen, nan permettre que li bay résultat. Mais li clair. Parce que même PM Koni te dit, et ni Edgar Leblanc fils te dit, yo pa pral empêché, yo pa pral nuit Ramon Ormil nan ka travail li. Kilk jodi an, DG Ramon Ormil et ki se mam CSPN nan, Conseil supérieur police nationale pays an et Conseil présidentiel yo,
yo tout ensemble, yo pral mobilisé, yo tout ensemble, pral mette force yo fè un seul, pou yo rive combat, pou yo rive bataille, contre question insécurité. D'ailleurs, li se yon obligation. OK. Li se yon obligation. C'est un impératif avec pouvoir qu'il a pour que yo dégage Koumet Jean-Jacques établi sécurité en dans pays. Permettre que la vie capable reprendre normalement en dans pays. Permettre que la vie capable reprendre normalement dans le pays. Et je dis, quel que soit monde que lié, quel que soit secteur acteur que lié, et si que je dis, ou pas qui m'ont trempé dans l'insécurité qui est là, ou pas qui m'ont trempé non violence qui vient là. Ou pas qui m'ont trempé. Non kidnapping qui vient là. Non ensemble souffrance que peuple haïtien qu'on est là. Je dis l'il est temps. Pour nous faire coup à coup de là. Je dis l'il est temps. Pour nous coller ses épaules et pour nous bailler la police là, pour nous bailler pouvoir gien là, pour nous bailler l'armée et même mission cap vini dans aider yo pour yo bailler résultat que yo besoin, que peuple haïtien besoin, que diaspora haïtien besoin, parce que nous besoin la paix dans pays ça, nous besoin la paix dans pays ça. OK, nous besoin la paix dans pays ça. Selon journal ça dans pays Kenya, li dit que officier kenyan yo clairement dit puisque yo pas vinn pour arrêter bandi. Yo vinn pour touyer bandi. Yo vinn pour voyer bandi dans pays sans chapeau. C'est bien. Yo pas vinn pour arrêter bandi. Yo vinn mission c'est pas pour arrêter bandi. Mission c'est pour tout les bandits. Et il y aura possible pour dire que yo espérer dans zone côté bandi ça yo yé pas gain innocent. Yo espérer, attendez bien. Dans zone côté bandi ça yo yé pas gain innocent. Sinon depuis c'est moun que yo pral croiser dans zone sa yo pour yo même yo tout ces bandits. Pa konnen. Moi même pa pral di que tout moun k'ap viv dans zone yo c'est bandi non. Mais kounya tout moun k'ap viv dans zone sa yo. Si est certain, yo te gen un nombre de temps devant yo pour yo te déplacer. Yo te ke un nombre de temps devant yo puis yo te retire quoi dans zone ça. C'est vrai que pral dit que bon déplacer al kibo ki kote n brale kote moun ta ale ban di pran yo déjà, mais gen moun ki abandonné quand même, gen moun ki retire quoi quand même, parce que yo te connaît clairement, parce que yo te connaît que nan jan ke situation ap ki pou vini, nan jan ke situation ap ki pou lale, yo te konnen bien ke si yo pa retire koyo, yo pral aksepte yo et yo pral konsidere yo comme de moun ki fon an dan mandi yo. OK. Et nous va bien mentir.
Parce que c'est même moun sa yo qui te sorti dans Badelma. Yo te dit que yo pa gen l'argent pour affermer 4 000 $ américains dans Petroville. C'est même moun sa yo qui te manifesté dans plein nan. Yo te dit pas besoin mission non. Ouais. C'est même moun sa te manifesté dans Fontamara qui te dit pas besoin mission non. Que donc je dis, hein? M'a dit ça clair. Pour ne résoudre ça que la comme insécurité, hein? Faut d'accord que dommage collatéral. Faut d'accord que après dommage collatéral. Et dommage collatéral, non? L'a sorti dans mi top population civile, hein? M'a pas dit dans kabandi, ba bandi eux-mêmes. Yo konne déjà. Yo konne clairement que route ki yo te prend, chemin ki yo te prend, yo konne sa k ta vin jwenn yo. Ki donc mba kwa gen la peine. Mba kwa gen pitié pou men pou nek sa yo. Non. Mba kwa. Mba kwa gen la peine. Mba kwa gen pitié pou nek sa yo. Mba kwa. Mba kwa gen ni la peine ni pitié pour yo. Parce que nek sa yo les ap touye, les ap violé, les ap mette difé, les ap krasé brisé, yo pa pran ni la peine ni pitié. Pour moun sa yo. Je di an m sonje, récemment Désir t'a parlé t'a zo bagay. Un ti jeune garçon en bas la Tibonite. Papa l mouri de très tôt. Et depuis il a fait 9e classe fondamentale. Ligoumel travail dit. L'acheter un cibourette. L'acheter glace pour le vendre dans bourette la promener. Nèg ça vient élan l'action de touyel. Yo touyel sous base. Li t'a fait partie équipe bandit ti mépris. Yo touyel. Je dis hein. Alors comment famille ça sent-il? Je dis, hein, pour valer nek nek sa yot, valer moun nek sa yot ouye. M'dap gade une vidéo récemment, ou demoiselle, kap explique comment que nek arme qui fait partie qui bourba nan Mariani, comment que yo viole l, et prise nan yo viole. Je dis à gade pile mesdames, kap vive avec maladie VIH. Cap vivre avec maladie sexuellement transmissible. C'est bandi violé yo. Les nèg yo kidnappé yo. Nèg yo utilisé comme femme comme femme. Yo pas même mettre aucun protège tout non. Yeah. Nèg yo utilisé comme femme et yo pas mettre aucun protège. Soit que femme ça va tomber enceinte ou dis-moi ce que yo pour maladie sexuellement transmissible. Qui donc je dis hein. Moi rete kwè jodi an m'ap di tèt mwen ke ki sa pral pase. Ofisye Kenyan di ke pa gen innocent yo souhaite yo espere nan zone kote bandi yo yon pa gen innocent pa gen innocent parce que soldat sa yo pa gen pitié pou kelke swa sa yo jwenn sou wout yo. Avant soldat yo vini, je prends une dernière formation combat criminel. Et journal la rapoussi pour le dire, c'est avec matériel. Dernier niveau, yo habitué combattre gros criminel à travers le monde là, yo pral attaquer, yo pral traquer gang yo dans le pays d'Haïti. Maman petite Marie Senti, ça ka la kawel. Et peuple haïtien clairement dit, m'a prédit encore. Peuple haïtien bouquet. Peuple haïtien n'est pas capable encore. Et je dis, hein, si que nous gardons, ok? Ok. Je dis, hein, n'a pas dit ça clair. Sous quelle que soit forme, ok? Quel que soit prétexte, ok?
nous pas qu'à d'accord que bandi a fait la loi dans pays. OK. Quel que soit prétexte. Ouais. Quel que soit ça que le taillé, nous pas qu'à d'accord que bandit yo à l'aise. Non. Non. Si yo rend que nous pas qu'à à l'aise nous-mêmes, faut yo même tout, faut que yo pas à l'aise. Moi clair sur ça. OK? Si yo même, si yo rend nous pas qu'à à l'aise, yo même tout fait qu'on pas à l'aise. Yeah. Yo même tout fait qu'on pas à l'aise. Et ni clair sur ça. Et je dis hein, quel que soit monde que lié. Quel que soit groupe que lié. Nous pas qu'à d'accord que nous livrer pays à bandi armé. Nous pas qu'à d'accord que nous livrer pays by criminel. Non. Nous pas qu'à d'accord ça. Nous pas qu'à d'accord que bandi yo nek sa yo rend pays invivable. Non. Nous pas d'accord sur aucun prétexte pour yo. Nous pas d'accord sur aucune forme pour yo. Pour que pays ça c'est bandit, c'est criminel, c'est assassin qui décide imposer pour royo. Non. Nous pas jamais d'accord ça pour yo. Nous pas jamais accepter ça pour yo. Et ça fait jodi hein, résoudre insécurité hein, bataille contre question criminalité dans pays hein, li doit engagement chaque haïtien. Oui. Li doit engagement chaque haïtien. Li doit progrès, li doit volonté chaque haïtien. Et pour yo voir comment pour yo arriver résoudre ça qui est là comme problème. Pour yo voir qui Jean qui moyen pour yo arriver résoudre ça qui est là comme problème. Et je dis hein, dis-moi sauve-le. Je dis, hein, fais-moi croire sauve-le. Ouais. Dis-moi sauve-le. Fais-moi croire sauve-le. Situation insécurité haïtien. Hein? Tout secteur qui implique là-dedans. Tout secteur qui mette mes là-dedans. Yo tout doit payer pour ça. Tout secteur, tout acteur, tout groupe. Qui yon même mette men ou la dan? Je dis yon, n'a d'accord avec, faut que yon paye pour ça. Faut que yon paye pour ça. Et n'a pas jamais accepté que moun sa yo, que nek sa yo, que femme sa yo, qui je dis yon, impliqué, nan mette paye nan sa li la, qui je dis yon, la cause que peuple haïtien pa ka vive en nan pays sa. Et même si là qui dans diaspora qui je dis à cap connaît des moments très difficiles, ne pas qu'à d'accord, ne pas qu'accepter que moun sa yo pour continuer à faire pays ça y a fait là, ne pas qu'à d'accord, ne pas qu'accepter que moun sa yo a fait pays hein vive moment difficile ça a fait pays hein vive moment malouk ça a fait pays hein jodi un pays qui invivable pas gè espoir pour pays hein pas gè espoir pour ti jeune qui vivent en dans pays non nous pas ka d'accord ça nous pas ka accepter ça parce que jodi hein nous gon pays pour nous sauver
Et je crois que nous avons souhaité cette dernière mission étrangère qui entre dans le pays pour venir résoudre la question de sécurité. Nous avons souhaité, nous avons remé, cette dernière mission étrangère qui pour piler seul nous. OK? Qui pour piler seul nous. Dernière mission étrangère. Et je dis, m'a dit clair. M'a dit clair avec chaque haïtien. Web attaque côté sécurité, hein? C'est nous tous qui pouvons engager là-dedans. Oui. Bataille contre insécurité. Bataille contre nouveau violence ça yo qui gagne dans pays hein, m'a dit clair. C'est chaque grain haïtien qui pour yo même mettez ensemble. Mettez mais on en patlan. Et comprendre que pays ça li était pour nous. Pays ça li était pour chaque haïtien. Pays ça nous devons engager nous et nous devons comprendre que faut nous poter coller. Oui, pays ça li mandé engagement chaque haïtien li mandé coller les épaules chaque haïtien et quel que soit secteur courrier. OK. Quel que soit. OK. Quel que soit. Moun ke ta yé. Si jodi an la. Ou ta vle fèm comprendre que. Ou pa pou gen sécurité dan peyi an. Laissez m di ou. Ou c'est même. Avec bandi armé yo. Si jodi an. OK. Si je dis hein, ou pas ta volonté ou pas ta accepter avec OK. OK. Je dis hein, m'a dit que quel que soit, moun ke liye, quel que soit secteur que liye, quel que soit acteur que liye, je dis à un d'accord, pour que nous conscients et comprennent et poté collé dans la bataille contre question et sécurité. Poté collé, bataille, collé les épaules pour nous résoudre ça qui est là comme situation et sécurité. Je dis à d'accord que mission a venu. Alors, on peut mettre la mission privée dans le pays. Mais m'a dit si pas que volonté la ca chaque haïtien si pas que volonté la ca chaque renne dans nous insécurité hein l'a toujours été dans phase promesse sécurité hein a toujours été dans phase promesse. Et je dis en abdi, Jean que PM Gariconi te dit, paradis pour Haïtien, l'État doué Haïti. Paradis pour Haïtien, l'État doué Haïti. L'État doué Haïti. Et si je dis en, Haïtien pas comprendre. Seul paradis au gagné c'est Haïti. Et c'est dans sens ça pour gourmet.
Oui. C'est dans ce sens pour la bataille. C'est dans la façon ça pour que vous gardez comment que vous même. Il y a poté contre qui biso pa yon. Il y a joué partition pa yon. Rien pas besoin fait. Et je dis à mam dit clair. Pas seulement mener bataille contre bandi à sa patron. Pas seulement mener bataille contre jeunes garçons et jeunes femmes qui ont de ghetto qui ont des âmes dans mes seulement non. Non. Pas seulement ça. Faut que vous menez bataille contre les gens qui ont financé vous. Yeah. Faut que vous menez bataille contre les groupes gangs qui ont financé jeunes garçons et jeunes femmes dans le ghetto. Faut que vous menez bataille contre tout. Parce que c'est eux toutes. C'est une association criminelle, crasse de pays, marchand de pays. C'est eux tous qui mettent ensemble, dans mettre Haïti dans sa lié là. Et je dis, les gens gardent ça qui est là comme insécurité. Hein? Et ça fait m'a dit que même États-Unis doivent nous bourrade. Et bourrade pour États-Unis, ben nous, c'est contrôler les armes qui sortent la Kaili. Pour entrer Haïti. Oui. Zam kap sorti la Kaili pour entrer Haïti. Parce que en pile donné prouvé que en pile nan zam qui entre en Haïti yo sorti États-Unis. En pile nan zam qui rentre Haïti yo sorti États-Unis d'Amérique. Et pas moi qui dit, c'est un ensemble expert qui mené des enquêtes qui montre ça. Et je dis, hein, dis-moi, sauve-le. Je dis, hein, fais-moi comprendre ça que vous êtes capable de faire comprendre. Que dans sa pays, il a trouvé là. Dans la situation, il a trouvé là. Pas capable de sentiment si nous voulons résoudre l'insécurité. Pas capable de sentiment si que nous voulons répondre avec des idées à peuple haïtien. Pas capable de sentiment. Non, pas qu'à gagner sentiment. Pas qu'à gagner sentiment. Non. Faut que tout secteur, faut tout acteur ensemble capable comprendre et coller les épaules yo et faire coude à coude là. Nan goumen, coller les épaules pour arriver résoudre ça qui est là comme insécurité et le capable résoudre. Li capable de résoudre. Volonté qu'on besoin. Li capable de résoudre. Volonté que nous besoin. Li capable de résoudre. Volonté que nous besoin. Volonté d'abord contre autorité nous. A dit gouvernement qu'on y a dirigé. Hein? Volonté pour côté conseiller présidentiel. Yo. Volonté bon côté chaîne commande la police non volonté bon côté ou état major la mer volonté bon côté population civile là et me songe j'aime te dire ici là dans l'émission population haïtienne non ou gain un gros bourrat ko pral bay pour réussir mission ça. La police et l'armée qui va mener des opérations. Ok, un gros bourrat qui va le bail. Et bourrat qui va le bail, qui s'allie. C'est aider la police, aider Fosio, identifier ennemi yo, identifier criminel yo. Parce que pas oublier. C'est nous qui vivons en ghetto. Nous connaissons Dieu très bien. Ok?
nous connaît bandio très très bien. Qui donc si que nous connaît bandio très très bien, ça veut dire nous capable aider la police. Nous capable aider force yo légal yo qui va mener des opérations dans ghetto yo. Des nous dit clair. Officier kenyan ou dit, yo pas vinn pour yo pas gen mission arrêter bandi. Dit mission c'est tout bandi. Et yo souhaité que dans zone côté bandi a contrôler pas gen innocent. Yo espéré pas gen innocent. Parce que pour eux-mêmes, tout le monde qui prend en dans zone ça c'est des bandits et criminels. Ça veut dire si je dis hein, nous pas voulez passer parmi la foule. Si je dis hein, nous pas voulez parmi dire si je goûte graisse. Mais c'est prendre engagement nous, c'est prendre responsabilité nous pour que nous dénoncer à tout faire. Pour nous dénoncer comme aucun. Parce que sinon, nous-mêmes tout, bagala pral difficile pour nous. Nous-mêmes tout, bagala pral difficile pour nous. Pral difficile pour nous. Parce que mobilisation qu'a fait là, ça me donne qu'à parer là, pour que yo demande les bandits, pas gen bouche pour parler. Et nous avons une série qui commence à faire depuis le dimanche 23 juin. Dans la zone Meyer, zone Pont et Pont-Tabar, la police 4 chablende, la police et l'armée, nous avons commencé à mettre pied à terre. Dimanche qui était 23 juin, nous avons commencé à mettre pied à terre, que nous avons gagné 4 chablende, ok? 4 chablende, qui déjà yo même qui t'est mobilisé sous Pont-Tabar dimanche 23 juin et qui t'est commencé à faire nego senti une sérénade et pour dire yo mais ça cap vinn joine yo mais ça cap vinn joine yo et pas piti la gonnek en pile va oublier jodi an m'a dit clair. Am c'est clair. Pas gen poisson de gravil, poisson d'avril encore. Pas gen question poisson d'avril encore. OK? OK? Pas gen poisson d'avril encore. Et je dis hein, bagala clair. Bagala confirmé, pral gen goumen et bandi pral pété. Bandi pral pété koué. Merci tout le monde, n'a croisé pour notre émission.